Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer ce qu'est l'érosion par l'eau. Imaginons un volcan qui a surgi en plein milieu de la mer, de l'océan. Il est formé de roches ignées. Première chose, les nuages montent au niveau du volcan et il pleut régulièrement. L'eau s'infiltre. Que fait-elle? Elle altère la roche. Elle fait des micro-fissures. Elle la fragilise. Toujours l'action de l'eau pendant des milliers, voire des millions d'années sur les flancs du volcan. À un certain moment, il y a des petits morceaux qui se détachent. Ces petits morceaux de roche sont transportés par l'eau, par le ruissellement. Ici, ces petits morceaux, qui s'appellent des sédiments, tombent dans le fond de la mer et forment différentes couches. Après des millions d'années, on obtient des roches sédimentaires différentes. Donc, pour résumer, il y a d'abord fragmentation de la roche, ensuite elle se détache. Ici, ça donne les sédiments. Les sédiments sont transportés et ils se déposent au fond de la mer en différentes couches. Les autres agents d'érosion sont, par exemple, le vent qui peut fragmenter la roche, le soleil, le gel, c'est-à-dire la différence de température. Merci, au revoir.